Chers amis, je vous invite à prier avec moi. Notre Père, notre Dieu, nous allons encore aujourd'hui étudier une portion de ta parole à travers la leçon d'école du sabbat du jour. Et pour cela, nous avons besoin toujours l'assistance de ton Esprit Saint pour nous éclairer, nous donner l'intelligence et la sagesse pour nous laisser instruire par toi et recevoir les révélations que tu as pour chacun d'entre nous personnellement. Alors reste parmi nous, bénis ce moment, bénis ta parole entre nos mains et que ta paix repose sur nous en Jésus. Amen. Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à ce moment de joie, de bonheur, de bénédiction et de révélation. Je demande à ce que la paix du Seigneur repose sur chacun d'entre vous. Notre sujet du jour, prendre soin de la communauté. L'Église chrétienne primitive s'était développée non seulement parce que ses membres prêchaient l'Évangile, mais aussi parce qu'ils vivaient l'Évangile. Les croyants pratiquaient le ministère de Christ qui parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus se souciait profondément des gens et l'Église du Nouveau Testament en faisait de même. C'est cet amour désintéressé et cet engagement à répondre aux humains combiné au partage de la bonne nouvelle de l'Évangile dans la puissance de l'Esprit Saint. Qui avait eu un tel impact sur le monde au cours des premiers siècles de l'Église chrétienne. Lisons acte 2, versets 44 à 47. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Parmi ceux qui croyaient, régnait une unité de cœur et d'intérêt où l'égoïsme naturel du cœur déchu se perdait dans la plénitude d'un amour engendré par l'amour divin. L'amour agapé. Ils étaient ensemble à tel point qu'ils mettaient tous leurs bien en commun, non à cause d'une loi ou d'une contrainte extérieure, qui aurait tout gâté d'ailleurs, ce que chacun d'eux représentait pour Christ et de ce que Christ représentait pour chacun d'eux, enrichi par lui d'une bénédiction que rien ne pouvait diminuer, et qui augmentait à mesure qu'ils la partageait, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et répartissait l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Alléluia. Lisons acte 3, 6 à 9. Alors Pierre leur dit Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple marchant, sautant et louant Dieu. Verset 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Alléluia. Maintenant, acte 6, 1 à 7. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Verset 2. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Pochor, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Et verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Alléluia. Une question. Bien que les circonstances varient, quels principes pouvons-nous tirer de ces passages concernant le christianisme authentique Que le Seigneur t'accompagne dans ta réflexion, mon ami, par son Esprit Saint. Mes amis, ces croyants du Nouveau Testament suivaient le modèle de Jésus-Christ tout simplement, qui, comme l'exprime Pierre, était roi du Saint-Esprit et de force, allant de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Lisons acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a ruiné du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. L'Église de Christ était son corps sur la terre et, au cours des premiers siècles, elle avait également exprimé l'amour sacrificiel de Christ et sa préoccupation pour l'humanité blessée et brisée. Ces croyants étaient des exemples vivants de la compassion de Jésus-Christ. Dans le conflit qui fait rage dans l'univers, le diable veut défigurer l'image de Dieu dans l'humanité. Mais l'objectif de l'évangile est de restaurer cette image dans l'humanité. Alléluia. Cette restauration comprend la guérison physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus révèle son plan pour chacun d'entre nous. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, Jésus désire que nous soyons en bonne santé, physiquement, mentalement éveillés, émotionnellement stables et spirituellement sains. Cette vie est éternelle. Elle commence au moment où l'on croit et ne prendra jamais fin. La vie que Jésus donne est une vie spirituelle remplie de la plénitude de Dieu. Plus nous nous confions au Saint-Esprit, plus nous jouissons de la vie reçue. Alors nous n'avons pas seulement la vie, mais nous l'avons en abondance. C'est une vie de joie, de paix, de puissance. Elle dure éternellement. Cela est particulièrement vrai à la lumière de son retour promis. Ce monde est confronté à une crise énorme. Les prédictions de Jésus dans Matthieu 24 et Luc 21 annoncent des conditions catastrophiques sur la terre avant son retour. Lorsque Christ nous touche par sa grâce curative, nous aspirons à toucher les autres par son contact afin qu'ils puissent être aussi guéris. Alléluia. Jésus nous envoie dans un monde brisé en tant qu'ambassadeur pour toucher les autres avec son amour. Le christianisme du Nouveau Testament se caractérise par l'amour des chrétiens les uns pour les autres et pour leur communauté. Alléluia. Une question. Quel est le rôle de l'Église dans la coopération avec Christ pour prouver la fausseté des accusations de Satan Pour vous aider à répondre à cette question, je demande à ce que l'Esprit du Seigneur vous accompagne dans votre réflexion. En conclusion, lorsque Christ nous touche par sa grâce curative, nous aspirons à toucher les autres par son contact, afin qu'il puisse être guéri aussi. Jésus nous envoie dans un monde brisé en tant qu'ambassadeur pour toucher les autres avec son amour. Si nous avons vécu cet amour, transformé par cet amour, alors il y a de quoi aller partager avec les autres. Alléluia, nous prions. Notre Père, notre Dieu, merci, merci, merci. Malgré les contextes difficiles, malgré les souffrances, persécutions, la mort, tu as su trouver quand même des hommes et des femmes pour poursuivre ta mission et continuer à prêcher, à faire des miracles extraordinaires et à répondre ton amour, ta toute puissance au cœur de ce conflit cosmique. Donc même si le mal existe, même si ça n'existe, mais tu es en train de faire la démonstration que tu contrôles encore l'histoire et que tu utilises des hommes et des femmes pécheurs. Tu les qualifies par ton esprit, tu les rends capable d'accomplir la même mission que Jésus ton Fils. Alléluia. Ô Père, tu es un Dieu extraordinaire. Voilà pourquoi nous avons de quoi en main aujourd'hui, pour croire en toi, pour te faire confiance, pour espérer et compter sur toi en toutes choses, car tu ne perds jamais. Nourris cette foi en nous. Donne-nous du courage, mets de l'amour dans nos cœurs pour toi, pour ton Fils et pour la mission, donc pour les autres afin de leur apporter cet évangile qui libère, qui guérit au nom de Jésus. Merci de nous bénir, de nous faire du bien. Je t'ai en Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen.